Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool ou Mike, et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de récupérer des PV à des feux de camp. Alors pour réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des feux de camp de Fortnite chapitre 3 saison 2. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre à un feu de camp. Donc moi je vais me rendre au feu de camp à Condo Canyon, parce que en fait, il va falloir s'infliger automatiquement des dégâts pour pouvoir... récupérer 1000 de PV, parce qu'en fait vous allez devoir récupérer 1000 points de vie à des feux de camp pour terminer le défi. Et là, comme il n'y a pas de construction, bah, je peux pas m'infliger automatiquement des dégâts, donc faut que je monte sur un bâtiment et que je fasse un saut pour prendre des dégâts de chute. Ou alors vous pouvez vous servir des cartes de Lio pour prendre des dégâts de chute. Donc là regardez, je m'inflige des dégâts, ensuite je vais aller à un feu de camp. Donc normalement par ici il y en a un juste là, voilà, il est juste là. Donc ensuite le problème, c'est que quand vous allumez un feu de camp, quand vous n'avez plus de construction, bah vous ne pouvez pas le réalimenter. Là, dans le gameplay, je vais pouvoir le réalimenter, ça va me coûter 30 pour le raviver. Mais vous, ce que vous allez devoir faire, tant qu'il n'y a pas les constructions disponibles, vous allez devoir voyager entre tous les feux de camp que je vous ai montré en début de vidéo pour pouvoir récupérer 1000 de PV à chaque fois. Donc vous vous infligez des dégâts, un certain nombre de dégâts. Ensuite, vous allez au feu de camp, vous régénérez vos PV. Et quand vous aurez régénéré 100 de PV, en fait, je crois que c'était pas 1000, je crois que c'était 1000, mais en fait, c'est uniquement 100 de PV. Bah là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc, logiquement, si vous gérez bien les bails avec deux feux de camp, donc il y en a un juste ici. En plus, je peux même pas le. Ah, si, c'est 200. Mais pour l'instant, les constructions sont pas disponibles. Il y en a un juste ici. Et il y en a même un autre tout près. Attendez, je vais vous montrer l'emplacement. Donc, il y en a un ici et il y en a un juste ici. Donc, à l'établissement là, près des bâtiments, il y en a un aussi. Donc, voilà, avec ces deux feux de camp, normalement, si vous gérez bien les bails et que vous infligez genre 52 dégâts, donc vous sautez ici, hop, ah, je crois que c'est pas assez haut. Non, vous essayez de vous infliger 2 fois 52 dégâts. Et quand vous aurez infligé 2 fois 52 dégâts et que vous serez régénéré 100 de PV, ben là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao. Peace.